Revenons, si vous le voulez bien, sur la question du droit des fidèles. À la question « Qu'est-ce que le fidèle est en droit d'exiger de l'Église ?», vous répondez « La vie éternelle ». Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, c'est dans la capsule précédente, on a dit que l'Église proposait le salut. Et alors, on peut revenir de manière assez intéressante à l'exemple du rituel du baptême. Quand un adulte est baptisé, la première question que le prêtre lui pose, c'est « Que demandez-vous à l'Église ?» Et le futur baptisé répond « La foi ». Et le prêtre lui demande à nouveau « Et qu'est-ce que vous apporte la foi ?» Et le futur baptisé répond « La vie éternelle ». Le but de l'Église, c'est vraiment de donner le salut de Dieu, de permettre cette entrée dans le royaume de Dieu. On est croyant et on croit à la vie éternelle. Et donc l'Église, elle va à la fois proposer cette foi qui conduit au salut, et à la fois elle va développer, non pas respecter seulement, mais développer la dignité de la personne humaine. Et en Dieu, pour le croyant, la dignité de la personne humaine, c'est revenir à ses droits naturels qu'il vit ici-bas et en même temps vivre des droits que Dieu lui donne, c'est-à-dire ce salut que Dieu lui propose. Donc il y a à la fois les droits naturels et à la fois ce qu'on va appeler le droit divin. Et ça va être deux aspects de ce que le code de droit canonique va respecter dans la dignité de la personne. Les droits naturels, ce sont les droits qui sont communs à toute personne. On les connaît bien aujourd'hui parce qu'on essaye de les positiver, comme on dit en droit, et notamment une des grandes positivations du XIXe siècle, c'est les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. Et donc, on a à travers cette déclaration des droits de l'homme tous les droits qui sont inhérents à la personne humaine parce qu'elle est un être humain. Et puis le Code va essayer en plus de respecter les droits du croyant. Il y a non seulement les droits de l'homme, mais il y a aussi les droits du croyant. Quand je suis chrétien, intégré à la communauté, j'ai à vivre de ces droits de chrétien. Alors l'Église, par son droit canonique, va respecter ces deux ensembles. Comment est-ce qu'ils vont être intégrés ? Eh bien, par exemple, le droit canonique va proclamer le droit à la vie privée, le droit qu'une personne n'a pas à être contrainte d'embrasser telle ou telle vocation. L'Église, par exemple, dans le droit du mariage, sera extrêmement attentive à la liberté de la personne. Elle n'a pas à se voir imposer tel mariage ou telle vocation. La procédure aussi, dont le père Bruno parlera dans les semaines qui suivent, est une manière de respecter les droits fondamentaux de la personne. J'ai le droit de ne pas être accusé de manière arbitraire. Et donc, tout cela va être pris en compte par le droit canonique. Donc, peut-on dire que le droit canonique est construit sur des droits qui préexistent à l'Église elle-même ? Qui préexiste à l'Église elle-même en tant que la personne est homme. Et avant d'être baptisé, le fidèle, c'est un homme. Et de par son humanité, oui, il a des droits et des devoirs qui sont inhérents à sa personnalité et que l'Église a à respecter parce que ces droits, nous le croyons, proviennent de Dieu lui-même. De par notre nature d'être créé, c'est pour ça que les droits de l'homme, comme on dit aujourd'hui, sont inhérents à toute personne qui naît sur cette terre, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge. Ils sont préexistants à tout système juridique, qu'il soit étatique ou ecclésial.